Salut tout le monde, c'est Lucas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le VZ System level 20, level 23. Numéro 23, du coup on va parler d'un nouveau mème. Ça y est, il y a des nouveaux mèmes qui sont arrivés, donc je vais en parler de l'un d'entre eux. Donc du coup c'est parti, du coup je vous dis un très bon visionnage et je vous dis à tout. Salut tout le monde, c'est Mister Flèche. Et non, c'est pas moi. Salut tout le monde, c'est 80. Aujourd'hui, on va parler du mème qui est assez connu. Pas du tout assez connu, parce qu'il date depuis un mois. Il s'appelle Chippy Chapa, littéralement. Oui, bon, c'est encore un mème avec un nom tout moisi. Donc, Chippy Chapa, si on peut trouver sur Google, non, sur Okno, il y en a même, non, on peut pas. Ah bon, pas grave, on va le faire à la basique. Donc Chippy Chapa, du coup c'est un mème du coup qui est apparu du coup à la fin de l'année dernière, donc en décembre 2023, et ce mème est devenu viral, bien sûr. Non, c'est pas ce chat qui mange des chips, c'est pas lui, c'est lui voilà. Donc Chippy Chapa, du coup, lui, il a été créé en 2023, il était viral. Et donc, du coup, ça a causé plein de détournements avec d'autres persos, plus ou moins obscurs, hein, bien sûr. Et puis voilà. Voilà, bon, c'est quand même assez rapide, hein, parce qu'on n'a pas de gnoll urbaine, donc c'est pas de bol. Ah, je crois que mon poteau Nyx, qui va me dire quelque chose. Alors Nix, tu me reçois? Je te reçois sec sur sec, Lucas. Alors, du coup, on parle de quel mème aujourd'hui? Bah, Chippy Chapa. Oula, c'est quoi ce mème? Ah oui, d'accord. Donc, du coup, Chippy Chapa, du coup, c'est juste un chat qui se dandine, quoi, sur une musique assez glauque, au final. Parce qu'on l'a vu en 2003, cette musique à la voix. Pourquoi une musique de 2023 alors qu'on est en 2024? Ça n'a pas de sens. Mais bon, hein, je préfère pas en parler, parce que bon, hein, cette musique qui est devenue virale, bien sûr. Bon, je suis d'accord avec le message, mais le problème, c'est que Chippy Chapa est devenu très viral, surtout avec des détournements plus ou moins obscurs, hein, bien sûr. Donc du coup, vous voulez voir un aperçu du mème? Allez, c'est parti. Voilà, c'est cette chose. C'est ce chat qui danse, frère. Ça n'a aucun sens. C'est pas un chat qui mange des chips. C'est. Bien sûr. Chippy Chapa, c'est un goat, frère. Et alors, si vous voulez un porte-bonheur de ce type, bah, vous pouvez en avoir un chez vous. Bon, comme ça, sur Brawl Stars, vous avez que des prix stars légendaires. Et ça marche à tous les coups. Bon, du coup, Lucas, bah, c'est reparti, on refait notre présentation comme d'habitude avec Milou. Et ouais, bien sûr, on va le faire à chaque épisode, frère. Ah bah, salut, Nix, ça faisait longtemps, non, pas du tout, ça faisait depuis 3 jours. Mais bref, donc du coup, bon, la dernière fois, je voulais te tuer, mais bon, tu m'as tué aussi, hein, mais bon, je suis revenu à la vie, t'as vu ça? Ouais, bon, hein, bien sûr. Tiens, tu veux qu'on joue à un jeu? Ouais, j'ai ramené Yara. Non, je vais ramener Dona plutôt, parce que ça faisait hyper longtemps. Salut Nick, ça faisait longtemps. Eh ouais, Dona l'influenceur. Aujourd'hui, on va jouer à 2-3 soleils. Ah bah ça m'intéresse aussi, ça. Bon, ok. Donc du coup, bien sûr, je vais pas faire changer les règles, bien sûr. Mais vous connaissez les règles. Alors, oui, bon, ce VZ System, ça deviendra plus un épisode de Keilu qu'autre chose. Hein. C'est bon, le même Chippy Chapa, c'est fini, il n'y a que ça. Mais bon, donc du coup, voici les règles. Bon, on va commencer doucement. Hein. Ce que je vous connais très bien.
Donc, du coup, on va commencer par ça. Donc, bien sûr, on va commencer par toi, Donald l'influenceur. Tu as le droit de bouger qu'une seule fois avant d'être éliminé. Bien sûr, parce que toi, tu perds toujours. Ensuite, Milo, il est évidemment interdit de faire bobo à Yara. Ah, wesh. Et notre invité, il joue quand? Oui, non, pas oui, c'est bon. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, Badhead là. Tu vas bientôt jouer avec toi, t'inquiète. Un peu de patience, ton tour viendra. Bon, allez. Bon, moi, je passe mon tour. Ok. Un, haha, deux, trois. Soleil. T'as mouillé. Oh. Allez. Bon. Ok, c'est Donna qui a gagné. Maintenant, c'est parti. On va passer à la suite. Ah, oh, je meurs. Oh, Milo, si tu refais ça, je te tue. Tout, 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 tout. Bon, bon. Tata. Bonjour, vous êtes qui? Je suis. Waouh. Ok, il n'y a personne qui est apparu, je m'y attendais pas à ça. Mais bon, parce que vous voulez faire apparaître le truc comme par magie, mais bon, si vous voulez. Si vous voulez. La règle du jeu. Salutations, plus courbette. À force de jouer, de changer et de faire n'importe quoi, je suis venu ici pour remettre de l'ordre. Non-respect des règles égale cage. Non mais c'est quoi ce chien-là? Oh, j'adore les gages. En tant que règle du jeu, j'ai à disposition toutes sortes de gages. Ça va de... ne plus être dans l'arrière-plan. A. La destruction de tout le reset système. Je crois que j'ai un peu trop abusé. Dis madame la règle. Vincent, tu peux changer un peu tes gages là? Parce que là, ce qu'on va pas faire, une destruction du monde, tout ça, de ça. Ce que nous, on va jamais faire. Hein. Rébellion égale gage. Gage reverse. On perd du temps là. Si on veut que le loup-garou joue, on va passer la seconde. Non, attends. Deux. Yep! 3. Soleil! Faut que je m'arrête de bouger! Ok, fin de partie égale fin de gage. Ok. À moi de jouer! Oui, je sais, ça doit être ton tour, mais c'est pas le moment. Tac, attends. Le chien tout moisi. Le renard veut pas se transformer en loup-garou. Est-ce que ça compte pour un gage? Non! Par contre, voler à une vitesse de 200 km/h, tricher avec des super-pouvoirs et ne pas compter jusqu'à 3 avant de vous retourner? Oui! Gage musical! Yara! T'es devenu le goat! Mais de toute façon, tu vaux pas, Sushi! J'avais oublié qu'il fallait pas voler à 200 km/h! Allez, allez, c'est Donna qui s'y colle. Madame la règle, personne ne peut gagner contre Donna. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Non, changer les règles, égal gage. La destruction du reset système. Si c'est ça, moi, je veux plus jouer. Madame la règle, pousse. Pousse.
étude règle universelle. Vous avez 3 minutes de pouce. 2 minutes 59. 2 minutes 58. Ok, on a 2 minutes pour réfléchir à un truc, parce que là, sinon, on va pas jouer tranquillement. Mais je sais quoi faire. Mais oui. Fin du pouce dans 3, 2, 1. Madame la reine, on est tous d'accord pour jouer dans les règles. Mais on recommence depuis le début. C'est dans les règles. À toi de jouer. Non, c'est pas lui. J'ai fait nappe. C'est parti. Wouhouhou. 1, 2, 3 soleils, c'est pas un jeu qui fait peur. C'est pas écrit dans les règles. Je veux ce que je veux. Pff. Oula, un combat là. Pas de règles, les gars. Pas de règles. Vous pouvez continuer à jouer. Ouais. Wesh, ça l'a cloné. Soleil. Oh non. Ok, bon, ce reset système est parti un petit peu n'importe comment, mais si vous voulez. Bon, donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que vous aura plu. Donc, Lucas Discord, donc Lucas 3.0, bien sûr, n'hésitez pas à l'ajouter. Encore un abonné, ça y est, on est au bout du tunnel pour lancer notre live spécial 100 abonnés qui va être ouf. Je vous le garantis, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, bien sûr, qui vont arriver très rapidement. Et donc du coup, il y a des joueurs dans tous les jeux, donc ce Roblox, Suspect Manoir, Brawlstar et compagnie, donc n'hésitez pas à le jouter. Merci Nixpola Outro. Bon, en tout cas, du coup, cet épisode de Reset System était assez bidon, on va dire. On va plus dire que c'est un épisode de Kaelou, même si on a fait un peu... on a fait la présentation du même Chipichapa, bien sûr. Ouais, c'était drôle avec Madame la Règle, hein. De toute façon, promis, elle reviendra dans le prochain épisode de Reset System. Bon, en tout cas, bon, je vais lancer les crédits, et puis basta. Je vais lancer les crédits, si ça veut bien, bien sûr. S'il te plaît. Oh, bon. Ouais, on va faire comme ça. Parce que moi, je veux lancer les crédits, moi. Elle y a plus. Allez, je vous dis à plus. Tintin.